Bonsoir, c'est Maddy. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 15 novembre. Bon, alors, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander, pardon, pour l'histoire du volcan en Islande. Alors, toutes les personnes qui m'ont consulté en astrologie, savent qu'il y aura davantage de catastrophes naturelles et surtout des tremblements de terre. Il me semble vous l'avoir dit aussi à vous. Il y a des aspects astrologiques très précis et autant vous dire que malheureusement, ça va s'accentuer, toutes ces catastrophes. Alors, je parlais surtout de tremblements de terre, oui, parce que l'aspect, il est très très visible. Mais évidemment, quand je dis catastrophes naturelles, il n'y a pas que les tremblements de terre, il y a aussi les inondations, les destructions par le feu et évidemment tout ce qui est éruption volcanique. Hein. Pour moi, ça fait partie d'un tout. Mais c'est vrai que les tremblements de terre, par exemple, on a vu en Islande que la terre s'est ouverte en deux. Bon, c'est vrai que c'est davantage ce genre de choses que je vois moi. Alors, pas de panique, on va regarder si ça peut s'étendre et puis s'il va vraiment y avoir la lave qui va remonter à la surface. Parce que pour l'instant, si j'ai bien compris, ils ont fait évacuer les gens et ils savent pas si ça va vraiment exploser ou pas, quoi. En gros, hein, si j'ai bien compris l'histoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'en parle pas. Hein. En tout cas, j'ai beau regarder dans les mainstreams, je vois toujours les histoires d'antisémitisme. Ça, c'est vrai que ça c'est médiatisé, mais par contre, on ne parle pas du reste. D'où, par exemple, ce qui se passe en Islande, mais pas que. Tous les scandales en relation avec une certaine crise sanitaire, on n'en parle pas. Les dégâts causés sur les enfants avec l'enseignement en dessous de la ceinture, on n'en parle pas. Bon, ok. Pas de commentaires, n'est-ce pas? Mais je suis sûre que vous êtes comme moi, vous n'en pensez pas moins. Alors, j'essaie de me concentrer. Donc, je vais prendre mon petit oracle nature. Donc, j'essaie de me concentrer sur cette histoire de volcan. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, alors, il y a des choses qui font mal, là. Il y a des choses qui font mal, il y a quelque chose qui est malade. Attendez, je regarde toujours dans quel sens. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui est malade, quelque chose qui ne va pas et qui est coupant, qui va faire mal. Bon, donc des cartes qui sont pas bonnes à la coupe. Hein. Alors, si ce petit oracle vous intéresse, c'est l'oracle nature. Il n'y a pas d'explication sur les cartes ou il n'y a pas de livret explicatif. Il faut y aller à l'intuition. Donc, moi, évidemment, j'ai mes interprétations personnelles. Bon, ok. Donc il y a des choses qui vont faire mal, mais il y a des choses qui sont malades, il y a une espèce de question de maladie, comme si la Terre était malade. Bon, ok. Alors, est-ce qu'on va y avoir une éruption? Voilà. Est-ce qu'on va avoir des histoires de lave? On va regarder ce qui sort. Alors, il y a des nuages, d'accord. C'est mes figues, mes raisins, j'ai envie de dire, avec des cartes comme ça. Il peut y avoir une accalmie, mais on va regarder. Ah, c'est marrant, j'ai de l'eau, moi. C'est curieux, j'ai de l'eau. J'ai des histoires d'eau, si je puis dire. Il y a quelque chose avec de l'eau, ça c'est la carte de l'eau. Alors, est-ce que ça pourrait faire intervenir finalement autre chose par rapport à l'eau? Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est curieux. Est-ce que ça peut provoquer peut-être encore des inondations ou des sources d'eau aussi qui seraient découvertes? En tout cas, j'ai quelque chose avec l'eau, mais c'était pas ça ma question. Alors, ah, c'est pareil. Sans, alors, c'est beaucoup. C'est des pleurs pour moi. Ça, c'est des pleurs et des choses qui font mal, justement. La nature, elle souffre en fait. Bon, j'ai quand même une amélioration. J'ai l'arc-en-ciel. Donc, j'ai l'impression que bon, oui, il y a des dégâts, hein, c'est sûr. Il y a des gens qui pleurent, donc il va y avoir quand même des destructions, ça c'est évident. Mais et quelque chose avec l'eau, mais j'ai l'impression qu'il y a une amélioration. Pardon. On va regarder ça avec le jeu biblique. On va demander un peu d'où ça vient, si c'est un avertissement du ciel, mais bon, moi je pense que c'est bien possible. Ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui jouent avec certaines machines? Enfin, vous avez compris, hein, qui joue de la harpe, par exemple, qui peut devenir un son très discordant. Voilà. Donc, on va regarder. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que c'est une catastrophe
qui vient d'en haut ou qui vient d'en bas. Allez. Alors, il y a l'histoire de vie. Fondation. Ok, la vie, les fondations. Bon, ok, les fondements de la vie. Les bases de la vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur toutes les catastrophes qu'on a, et particulièrement l'éruption, là, enfin le volcan qui se réveille en Islande et qui a provoqué, eh bien, une fissure, hein, c'est très impressionnant, une faille dans la Terre. Vous savez qu'en plus, j'ai regardé, des volcans, il y en a partout, hein, mais il y en a vraiment sur toute la planète. Donc, on n'est pas tiré d'affaire s'ils commencent à se réveiller tous les uns après les autres. Alors, bah tiens, il y a Dieu. Dieu qui sort. Ah bah, c'est le maître. Hein. Bah ouais. C'est lui. C'est toujours lui qui, évidemment, qui a le pouvoir. Alors, allez vers les questions de nourriture. Alors, est-ce qu'on nous parle de nourriture divine? On va voir si c'est bien à ce sens-là qu'il faut le prendre. Le monde. Ouais. Le corps. Alors, le corps, le monde. La nourriture. Alors, ça, il y a deux messages, en fait. Il y a d'une part le conseil, effectivement, d'aller vers la nourriture divine. Ça, c'est la première chose. Parce que Dieu, c'est notre maître. Et il ne faut pas qu'on s'en détourne. Hein. Ah bah oui, c'est biblique. Hein. Bon, enfin voilà. Or, les hommes se sont détournés de leur maître, donc de Dieu. Et ils sont certainement en train de le payer. Mais il y a un autre message qui dit qu'on va avoir aussi un problème de nourriture, parce que corps et nourriture. Donc ça veut dire que toutes les catastrophes, parce qu'on en a eu quand même, hein, ça s'est accentué, et ça va continuer, eh bien, vont provoquer un problème également de nourriture. Oui. Donc, est-ce que c'est voulu tout ça ou pas? On peut se demander. Les fondations. Alors, les fondations, bah, ça fait penser quand même à ce qui donne l'équilibre de la Terre. Hein. Ok. Prendre. Ouais. Ah, oh là là. Prendre les maisons des hommes. Prendre les maisons, les fondations, prendre. De destruction. Écoutez, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, là. Parce que quand on regarde les cartes, on a l'impression qu'il y a quand même une intention malveillante, puisque on a à fondation, donc on peut dire, considérer qu'on agit sur les fondations, donc les corps terrestres par exemple, hein, ce qui est sous nos pieds, sur quoi on s'appuie pour prendre les maisons. Donc si c'est ça, là c'est pas divin. Hein. Et la mort. Bon, donc finalement. Le problème, si vous voulez, avec les aspects astrologiques, c'est que je ne sais pas d'où ça vient, moi. Je ne peux pas savoir s'il y a une intention malveillante ou si c'est provoqué. Là, j'ai l'impression qu'il y a deux choses, en fait. Et c'est vrai qu'on peut avoir les deux. D'une part, la planète qui réagit parce que l'homme fait n'importe quoi. Et d'autre part, eh bien, des gens qui jouent de la harpe et qui provoquent des catastrophes dans un but bien défini de donner, d'entraîner plutôt, pardon, un problème de nourriture et de prendre les habitations. C'est ce qui est marqué là. Et avec la mort. Oui, bon, d'accord. C'est pas folichon tout ça quand même. Hein. Bon, alors, la question que vous vous posez, c'est est-ce que ça pourrait arriver chez nous? Ben, on va demander, est-ce qu'on a un risque d'avoir des éruptions? Bon, il y a l'Etna qui est assez actif quand même en Italie, donc c'est pas très loin. C'est vrai qu'il y a des volcans aussi en Allemagne. Bon, ben, il y en a évidemment en France, il y en a un peu partout. Donc, on va rester peut-être sur l'Europe. Hein. Est-ce qu'on pourrait subir des éruptions volcaniques? On va rester sur les éruptions de volcans. Mais il me semble que je vous l'avais sorti, moi, dans un jeu. Enfin, je revérifie ce que j'avais dit sur novembre. Mais je sais qu'à un moment donné, j'avais tiré la carte du volcan. Enfin, bref, je revérifie ça. Bref, alors. Et dans le dernier jeu que je vous ai fait, là, la petite vidéo, c'est ressorti encore volcan et urgence. Hein. Mais bon, on va demander à mon jeu habitat. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir là, sur, on va dire, France, Italie, Allemagne, voilà, voir aussi Espagne, Belgique, tout ça, là, les petits pays, est-ce qu'on pourrait avoir des problèmes avec les éruptions volcaniques? On va demander. Alors, bon, pour l'instant, tout va bien. Plus ou moins, parce que je sais qu'il y a des inondations un peu partout. Hein. Bon, d'accord.
Il y a un homme qui avait allumé un feu, vous avez remarqué, hein. D'accord, donc c'est un peu prudence avec les feux qui peuvent être allumés. Oui. On va demander. Alors, on a la nature. Ah, les migrations, les médias ou les ondes. Les ondes ou les médias. L'eau. C'est marrant, j'ai toujours des histoires d'eau, moi. C'est curieux. Il y a des choses par rapport à l'eau. Encore et toujours l'eau. Mais il y a des ondes. Alors, et il y a des gens qui s'en vont, qui s'éloignent des villes. On va regarder ce que ça veut nous dire. Prudence, prudence. On nous demande d'être prudent. Bon, il va y avoir effectivement des choses compliquées, puisqu'on a quand même un désert, donc une période difficile. Donc, on nous demande vraiment d'être prudent. On ira essayer de voir pourquoi on a ça. Moi, je voudrais essayer de... Pourquoi est-ce qu'on a les ondes? Écoutez, il y a quelque chose. Là, les habitations sont vides. Voyez? Et là, j'ai les ondes. Ça rejoint mon tirage d'avant où j'avais prendre les maisons, agir sur les fondations, prendre les maisons. Bah, là, j'ai les ondes et j'ai les maisons vides. Il y a quelque chose quand même, hein. Il y a quelque chose, hein. On va remettre encore une carte. Ça, c'est les gens qui se retrouvent. Donc, c'est bien les gens qui vivent dans les maisons. Voilà. Les histoires de relations sociales aussi. Et des histoires de joie. Bon. Bon, pour l'instant, ça reste OK. Mais j'ai quand même la tortue qui me dit attention. Parce qu'il y a des gens qui jouent avec des ondes pour vider les villes. Et il y a quand même une problématique ici par rapport à une traversée du désert et des animaux dont il faut prendre soin. Il ne faut pas les oublier, hein. On détruit leur habitat et également des gens qui risquent de perdre beaucoup de choses, hein. Bon. Alors, pourquoi j'ai quelque chose par rapport à l'eau ici? Ah, il y a quelque chose par rapport à l'eau. Regardez, j'ai accident par rapport à l'eau. C'est bizarre. Pourtant, 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 encore de l'eau. Pourtant, ça reste encore OK, j'ai envie de dire, avec une carte comme ça. Il va y avoir un accident avec de l'eau, mais on devrait s'en sortir. Bon, je vais prendre un autre jeu. Alors, je sais que c'est pas, voilà, c'est pas précis, précis, mais moi, je pense qu'il y a plusieurs catastrophes qui risquent d'arriver. Il y en a une en relation avec l'eau, encore et toujours. Bon, il y a bien quand même des histoires de destruction voulue, hein. Ça, c'est ressorti, hein. Alors, à qui on pourrait demander? Toujours la même question. Ben moi, je reprends mon Dixit. Hein, voilà. On va voir ce qui nous sort. Faudrait faire éventuellement peut-être avec le pendule, mais pour voir quand est-ce que, enfin, pas quand est-ce que, où est-ce qu'on pourrait avoir encore des histoires de tremblements de terre. Donc, on va reposer les questions. Hein. Je repars donc sur l'éruption. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée là. Alors, est-ce qu'on repart sur les destructions là? Savoir un petit peu, parce que ça s'accélère, d'où ça vient? Alors, on nous dit bien de se mettre à l'abri, effectivement, et de restrictions. C'est toujours la même chose, hein. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui est voulu là-dedans, parce que j'ai des restrictions et on nous dit de nous mettre à l'abri. Je pense que c'est vraiment, il y a vraiment un plan, hein. Ouais. Faire fuir les gens pour qu'ils aillent ailleurs, par exemple. Ouais, on va demander. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, sur l'Islande déjà. Bon, situation d'urgence, effectivement, on est d'accord. Bon, il y a bien des gens qui vont partir. C'est plus vivable. Ok. Et il y a une annonce. Bon, ils ont fait évacuer la population. Hein. On en est là, je crois. Hein. Bon, d'accord. Ok. Ok. Donc, il y a bien des gens qui vont partir. Alors, j'ai pas le pourquoi du comment, par contre. Hein. D'où ça vient? Je sais pas si j'aurai les cartes pour. Ah, il y a encore les questions de maison. Hein. Les maisons qui sont convoitées, moi, j'ai l'impression. C'est très curieux. Ouais.
Oh là là. Écoutez, c'est toujours pareil. On veut mettre les gens dans des tubes, voyez? On veut cloîtrer les gens, on veut les restreindre, on veut les restreindre. Et là, il y a quelqu'un qui joue charmeur de serpent. Bon. Donc, il y a quelqu'un ici qui intervient. Alors, évidemment, c'est métaphorique, c'est symbolique, hein. Mais il y a quelqu'un qui joue d'un instrument. Tout à l'heure, on avait parlé de jouer de la harpe, voyez? Bon, bah là, c'est pas de la harpe, c'est de la flûte. Mais c'est marrant, quand même, que j'ai cette carte-là qui soit sortie. Donc, je me demande, ce n'est peut-être pas que Dieu, en tout cas pour l'Islande, mais il pourrait bien y avoir quelque chose d'autre. Voilà, il y a des gens ici qui s'amusent, qui font n'importe quoi, qui jouent avec des forces qui les dépassent, hein, qui s'estiment au-dessus des autres. Vous voyez, ils sont dans les nuages. Et il y en a un qui espionne les autres. Ouais. Là, c'est bien pour provoquer un changement de monde. Et là, vous voyez qu'il y a quand même des gens qui vont se mettre en retrait pour justement fuir les prochaines restrictions. Écoutez, moi, franchement, avec des cartes comme ça, je pense effectivement qu'il doit y avoir des choses qui sont voulues. Mais encore une fois, c'est pour forcer les gens à être poussés dans des endroits bien précis, quoi. Les faire fuir leur habitat naturel pour les mettre ailleurs, hein, dans des tuyaux, vous voyez. Alors, je vous dis pas que ça se fera du jour au lendemain, hein. Ce sont des projets qui demandent du temps. Mais c'est dans les tuyaux, j'ai envie de dire. Et là, il y a bien des pays, quoi. Des pays qui s'amusent à faire n'importe quoi. Ouais, moi, c'est ce qui me dit mon Dixit, hein. Vous voyez, il y a une intention malveillante, hein. Toujours le diable. J'étais en train de dire qu'est-ce qu'il veut faire. Mais vous voyez, en fait, là, il y a le feu, parce que c'est la salamandre. Il y a bien quelque chose que l'on veut détruire par le feu. Ah, tiens, il y a là aussi derrière. Qu'est-ce qu'il a fait à la celui-là? Il sort toujours quand on l'attend pas, lui, hein. Bon, je pense qu'il observe, hein. Ah, lui, il va tirer ses marrons du feu, c'est le cas de le dire. Oh non, mais c'est pas vrai, écoutez. Ouais. Ah, franchement, non, mais je vous mens pas, regardez. Je l'ai sorti, hein. Ça, c'est la destruction des villes et ça ressemble fortement à une éruption volcanique. Ah bah oui, j'en ai une sur 450 et elle est là, hein. Bon, comme d'habitude, je ne sais pas ce que j'ai dans le tas. Vous connaissez le principe de la maison, comme dirait Rémi, du juste milieu. Bon, alors, oui, bon, lui là, il va tirer ses marrons du feu. Et je crois qu'il sait ce qui se passe aussi. Ok. Bon, donc pour répondre à la question de l'Islande, à mon avis, il y a certainement une influence malveillante, d'accord? Et c'est un but très précis que mon Dixit m'a sorti, c'est-à-dire de mettre les gens dans des tuyaux. Donc ça veut dire en fait les mettre dans des endroits restreints. Voilà. Pensez un petit peu ce qui est arrivé à Hawaï. Y a de ça, hein? Donc oui, c'est pas cool, hein? Voilà, c'est une bande de sales gosses qui font n'importe quoi. Vous voyez, on les avait là, ici aussi. Pourquoi je dis que ce sont des sales gosses? Parce que ça me fait penser à des gens qui sont en train de jouer avec les forces de la nature. Vous voyez? Et c'est toujours dangereux. Vous avez d'ailleurs le diable ici. Ils se prennent pour Dieu, hein. Vous voyez d'ailleurs que ces enfants-là, ils sont au-dessus des nuages, encore comme je vous le disais. Donc, ils sont au-dessus de tout. Ils se croient tout permis. C'est ça, en fait, hein. Ouais, sauf que là, on ne sait pas où on va. Hein. Toujours la propa, marionnette. Toujours des gens très bizarres qui sont derrière tout ça. Non humains, non conscients. Enfin, quand je dis non conscients, ça veut dire en fait qu'ils n'ont pas de conscience. Hein, au sens, ils n'ont pas de valeur morale. Mais pour moi, des gens qui détruisent l'habitat naturel, ça ne peut pas être des gens qui habitent sur la planète. C'est des gens qui sont non humains. Qui va détruire son environnement naturel? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc je pense que ce sont des êtres différents. Eux, ils n'en ont rien à faire de la planète. Donc ils détruisent. Alors là, il y a autre chose qui me plaît beaucoup plus. Il y a une passion. Ah, et le monde. Alors,
Qu'est-ce que c'est que ça? La passion, le feu et l'eau. Normalement, ça, c'est une belle carte. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Et encore le feu. Ouais, mais enfin, attendez, 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 attendez. Est-ce que c'est si bien que ça? Parce que là, j'ai le feu et l'eau. Normalement, c'est une carte d'amour, hein, vous voyez? Sauf que dans le contexte, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce que j'ai encore le feu et j'ai le monde. Donc moi, je me demande, avec une carte comme ça, s'il va pas y avoir des actions sur le feu et des actions sur l'eau. Donc des actions sur la croûte terrestre avec les volcans et des actions sur l'eau avec, par exemple, les inondations pour servir un but mondial. Oh non! Excusez-moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Non mais je rêve, hein. Il fallait qu'il sorte, hein. Mais reste dans le jeu, toi. On ne veut pas te voir. C'est la carte de l'Antéchrist. Regardez. Non mais c'est pas possible. Comment je fais pour le sortir à chaque fois? Bon. Alors, pour la dernière fois, toutes les personnes qui me disent que Macaron c'est l'Antéchrist, je vais vous dire c'est non. Parce que il y a plein de critères qu'il ne remplit pas. Et le plus important étant qu'il devrait être adoré. Est-ce qu'il est adoré? Non. Donc, ce n'est pas lui. Bon. Mais il y a d'autres critères, hein. Encore une fois, l'Antéchrist doit arriver au moment de la Troisième Guerre mondiale, qui sera empêché par une intervention céleste. Mais lui, là, dira que c'est lui qui a empêché d'une façon ou d'une autre. Et donc, il aura évidemment une aura, une aura, A-U-R-A, de divin, de sauveur, de tout ce que vous voulez. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, ça peut pas être celui que vous m'avez dit, là. Donc, arrêtez de me remettre à chaque fois. Par contre, c'est un antichrist. C'est pas pareil. L'antichrist, il y en a plein. Il y en a eu plein. Il y a eu tous les dictateurs. Hitler, etc., quoi, Lénine, Staline, enfin bref, tous les dictateurs, puis il y a une liste, voilà, comme ça, hein. Je vous le fais quand même, comme ça, la liste, voilà, grande liste, et donc Macaron en fait partie, mais ce n'est pas un antéchrist, l'antéchrist, c'est celui, vraiment, qui est, donc, annoncé par la Bible, qui imposera la marque de la bête, etc., et qui doit venir avant le Christ, c'est pour ça qu'on l'appelle antéchrist. L'autre, c'est un antichrist, c'est pas pareil. Bon, alors qu'est-ce que tu nous veux, toi? Ah, ça, c'est les élections américaines. Ok? Donc ça veut dire que il est vraiment pas loin, hein, puisque là, on nous parle des élections américaines, on a l'antéchrist juste au même moment. Ouais. Donc fin 2024. Moi, j'ai une petite idée de quand il pourra arriver, mais je peux pas tout vous dire, n'est-ce pas? Oui, bon, il arrivera quand effectivement il y aura. Ah, ça colle, ouais, ça colle. Quand il n'y aura plus rien, quoi. Ouais, ok. Quand il n'y aura plus rien. Alors, ça dépend pour qui, hein. L'abondance, mais pas pour nous. Vous voyez? L'abondance, mais pas pour nous. Bon, je vous en ai beaucoup dit, hein. Alors, donc, pour résumer, ce n'est pas une intervention que divine, même si on ne peut pas l'exclure, hein. Mais c'est bien une intervention malveillante, en tout cas moi c'est ce que je vois, et c'est fait pour quelque part prendre les logements des gens, voilà, les faire partir ailleurs, parce que moi c'est ce qui est sorti, hein. Les faire partir ailleurs afin de mettre en place un autre système dans lequel les gens n'auront plus beaucoup de place pour bouger, hein. Vous savez les tuyaux là, les fameux tuyaux, bon bah c'est ça, hein. Il y aura des actions également par l'eau. Sur l'eau et par l'eau, et évidemment par le feu. Bon. Et on a l'antéchrist qui regarde la situation. Bon, ok. Donc voilà, petit tirage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors est-ce qu'il y en aura d'autres? Bah oui, forcément, puisque c'est un plan. Donc oui. Donc oui, il y en aura d'autres, destruction. On va voir. Vous voyez, c'est toujours pareil, hein. C'est l'intelligence artificielle, là, vous voyez? Ils veulent remplacer la nature par l'intelligence artificielle. Regardez. Voilà. Le mouton, là, le bélier, pardon, il n'est plus de chair, c'est un bélier de machine, avec une machine. Donc, c'est l'intelligence artificielle. Donc, en fait, ils veulent tout détruire et tout remplacer par l'intelligence artificielle. Il y a une ville comme ça, comment elle s'appelle déjà? Ah, je vais vous la retrouver. Hein. C'est une ville, je crois que c'est dans le désert, et elle n'est que régie par l'intelligence artificielle. Ouais. Voilà, bon, c'est ça le plan. Bon, ben là c'est un monstre.
D'accord. Donc il joue sur la peur aussi, hein. C'est un monstre qui fait peur, donc c'est aussi joué pour sur les peurs des gens. Voilà, avec les catastrophes, toujours pareil, hein. Et regardez, alors j'avais sorti la carte du volcan, et bien là, regardez, j'ai encore la terre qui s'ouvre, voyez. Et là, ben, il y a le petit bonhomme là qui regarde à l'intérieur. Et je veux pas non plus extrapoler, mais enfin, regardez quand même, c'est un accordéon. Vous voyez, c'est un instrument de musique, hein. Il y a des notes de musique. On parlait de la harpe et de la flûte, et ben voilà, vous avez l'accordéon, donc il y a bien quelque chose au niveau vibratoire, hein, donc les ondes. Donc oui, il y en aura d'autres. Alors me demandez pas le quand, hein. De toute façon, ce sera tout le temps. Ce sera tout le temps, puisqu'il n'y a plus une année, voire quelques mois, sans qu'il se passe une catastrophe. Malheureusement, et moi je le vois que ça se rapproche. Il y a un moment donné, il y aura une énorme catastrophe, mais vraiment le truc vraiment destructeur. Alors là, on nous amène un cadeau et encore un cadeau. C'est quoi le cadeau? Ah, bah le cadeau, c'est c'est qu'il n'y a plus rien. C'est qu'il n'y a plus rien. Ouais. Et on va bien nous donner quelque chose. Ah oui, d'accord. C'est un cadeau, un cadeau. Alors, je n'ai pas sorti le cadeau, mais moi, je pense que le cadeau, ça va être les cités, un peu comme celles dans le désert. Hein. Mais là, il y a autre chose. Hein. J'avais sorti l'Antichrist. Bah, qu'est-ce qu'on va nous apporter? Les gens qui s'en vont. Oui, bah, ça, d'accord. Les gens qui regardent vers le haut. Oui. Bon, je n'ai pas vu le cadeau, attendez, je vais essayer de me concentrer. Ça va être pour nous apporter quelque chose d'autre. Et les machines, hein, vous voyez, c'est vraiment l'histoire de machines, là. Avec des gens qui pleurent. Avec des tuyaux encore. Non, non, mais ça va être ça, hein. Ça va être le désert, donc l'absence de nature, hein. Et avec des histoires de tuyaux, donc de machines, quoi. Non, mais c'est les fameuses cities, là, les smart cities, comme on dit. Ça va provoquer le départ de gens, enfin de gens, de personnes. Il y a d'autres personnes qui vont regarder vers le ciel parce qu'à mon avis, on va encore avoir des menaces de guerre. Hein. Voilà. Et ça, c'est Dieu le Père qui se dit, non, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ben voilà, comme je vous disais. Vous voyez? Les robots. Donc, c'est bien tout ce qui va être télécommandé, les nouvelles cités. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Le sous-marin qui est coincé dans une baignoire. Ouais, donc d'accord. On va pas aller loin avec ça. Hein. Ouais, ben c'est les limitations. Hein. Et toujours les histoires de souffler sur le feu. Non, mais je vous dis, c'est voulu. Bon, ok. Donc c'est voulu. Oui, mon tirage, peu importe les cartes que je prends, il me dit c'est voulu. Il y a des gens qui jouent vraiment avec les forces de la nature, qui font n'importe quoi. Et ça va mal se terminer. Hein. Donc malheureusement, moi, je vois quand même ces foutues villes-là hein, se mettre en place, hein, puisqu'on a l'histoire de machines ici. Et vous avez quand même la télécommande. Hein. Ouais, ça va se faire. Bon, écoutez, vous inquiétez pas. De toute façon, moi, je pars du principe qu'ils n'entendront pas en paradis, c'est le cas de le dire. Hein. Parce qu'il faut bien quand même que ces gens-là, ils aient des conséquences. Et de toute façon, s'il y a l'antéchrist, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que dans ces cas-là, eh bien, on est bien à la fin des temps, quoi. Donc, on sait comment ça finit, hein. Vous voyez, regardez, quand je parle de l'antéchrist, vous voyez, tout est prévu. Et ça, c'est bien par rapport à la guerre, hein. Vous avez ici le guerrier, la guerrière. Ici, tic, 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 tic. On attend de couronner quelqu'un. Voilà. C'est tout, hein. Une page blanche. Ça va toucher évidemment tous les foyers. Hein. Et il y en a certains qui n'auront pas prévu. Qui n'auront pas prévu et qui vont subir le mauvais temps. Hein. Bah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, pour moi, ça c'est Dieu, hein, par exemple. C'est Dieu qui a tout prévu. C'est marrant, écoutez, vous savez, quand l'antéchrist va arriver, moi je vois quand même plein de gens qui vont partir. Hein. Mais c'est vrai. Hein. Il y en a beaucoup qui vont prendre leur clic et leur claque, qui vont comprendre ce qui se passe et qui vont partir. Hein.
Alors, et ça, c'est quoi? Alors, ça, ce sont ceux qui vont attendre un miracle. Ce sont ceux qui ont gardé le cœur, qui vont attendre un miracle dans la tempête. Ça, c'est les totems, hein, pour se préserver. Voilà. Bon, il y aura une histoire de femme là-dedans qui va être mauvaise. Ah ouais, non, mais ça va mal se passer. Hein. Ouais. Ah, il risque de nous faire le bloubim en même temps. Hein. En tout cas, j'ai des histoires de vaisseau spatial, moi. Alors, dans ma tête, vous voyez, dans ma tête, j'étais en train de me poser la question et l'enlèvement de l'église. Et vous voyez, c'est secret. Je ne l'ai pas. Je ne peux pas l'avoir parce que c'est secret. C'est-à-dire que l'enlèvement de l'église, c'est les croyants qui seront emmenés ailleurs. Hein. On ne devrait pas voir l'antéchrist, non, normalement. Enfin, il vaut mieux pas qu'on le voit d'ailleurs, hein, parce que si jamais on le voit, c'est foutu. Donc il faut qu'on dégage de là. Mais l'enlèvement de l'église, voilà. Même Jésus, c'est pas quand. Alors, c'est pas moi qui vais pouvoir vous le dire. Hein. C'est pour ça que j'ai la carte du secret. J'ai pas le droit de poser des questions à ce sujet, en fait. Il arrivera quand il arrivera, mais ce sera normalement avant l'antéchrist. Ou alors juste au moment où il va apparaître, si vous voulez. Le timing, hein, c'est compliqué. Je peux vous mettre quelques vidéos en dessous si ça vous intéresse. Donc ne me demandez pas comment ça va se passer l'enlèvement de l'église parce que je ne sais pas. C'est pas une prophète moi. Hein. Je lis les textes, voilà, j'écoute les gens qui décryptent les textes, mais je n'en sais pas plus. J'ai quand même vous raconter une histoire. Alors avant ça, je vais vous conseiller un livre. C'est celui-ci. Si vous voulez un petit peu plus en savoir sur les miracles, je vous conseille ce livre. Enquête sur l'existence des anges gardiens, avec justement des miracles, des gens qui étaient en très mauvaise situation, voire en danger de mort carrément, hein, et qui ont été sauvés par leur ange gardien. Donc c'est une enquête, hein, ce sont que des témoignages. C'est Pierre Jovanovic qui a écrit le livre, qui a fêté ses 30 ans. Et moi, j'ai eu une expérience avec un ange gardien, voilà, que je vais vous raconter, si ça peut vous permettre de croire un petit peu aux miracles. Alors, c'est quelque chose que j'ai jamais raconté, hein, sauf je crois à une personne. Mon mari m'a pas cru d'ailleurs, autant vous dire, hein, voilà. J'étais dans le métro, alors j'étais quand même, j'avais la vingtaine, hein, d'accord, pour vous situer. Donc j'étais dans le métro à 11h30 du soir, parce que je venais d'aller voir une amie à Paris. Et voilà, le temps était passé. Et puis, bon, bah, je me dis, bon, il faut peut-être que je rentre chez moi quand même. Donc, j'étais dans le métro à 11h30 du soir et j'étais très fatiguée. Je m'étais presque assoupie. Et je ne me suis pas aperçue que ma rame, à un moment donné, j'étais toute seule. C'est une sensation de peur qui m'a fait sortir de mon espèce de léthargie. Vous savez, quand tout à coup, vous avez peur, mais une peur panique, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ouvre les yeux et je vois que j'étais entourée. Je crois qu'il y avait 5 ou 6, au moins 5, je dirais bien maximum 5, 6, ouais. Personne, jeune, qui m'avait vraiment entourée. Alors j'étais le strapontin, vous voyez, ceux qui prennent le métro. J'étais assise sur le strapontin, donc juste à côté de la porte quand même. Mais ils m'avaient coincée, quoi. Donc ils étaient autour de moi, et ils commençaient à m'injurier, à me sortir des trucs vraiment abominables. Et je leur avais rien fait, hein, puisque moi j'étais toute tranquille sur mon strapontin en train de m'assoupir. Ils se sont mis vraiment à m'agresser verbalement. Et puis, il faut savoir quand même que j'avais mon sac à main, que j'avais bon, mes cartes de crédit et tout dedans, hein, puisque je travaillais, hein, donc voilà. Et à un moment donné, le temps s'est figé. Donc j'ai rien dit, moi, hein, voilà, je l'ai laissé m'agresser verbalement. Le temps s'est figé. Donc, à un moment donné, c'est très curieux. Ils se sont tous arrêtés de parler, arrêtés de bouger. La rame s'est arrêtée. Je me suis levée. Alors, je vous dis, j'étais juste à côté. J'ai ouvert la porte. Je suis sortie. Et voilà. Et je suis rentrée chez moi sans problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un blanc. Je vous assure, le temps s'est arrêté. Voilà. À un moment donné, ils étaient quand même, je dis, au moins 5, ils sont tous arrêtés en même temps de parler et de bouger. Et moi, eh bien, j'ai pu m'en aller. Voilà. Donc ça, si c'est pas l'intervention d'un ange gardien, moi, je ne sais pas ce que c'est, parce que, encore une fois, le métro était vide. La rame complète était vide. Donc j'étais mal barrée quand même. Hein. Bref. Voilà pour la petite histoire. Donc je pense que quelque part, tout est prévu. Gardez confiance, n'oubliez pas de prier. Moi, je le fais tout le temps. Voilà, comme ça.
Vous pouvez le faire en chantant si ça vous barbe. Hein. Si vous aimez chanter, je vous assure que vous allez trouver une paix intérieure. C'est nécessaire. Et comme ça, vous êtes préparé. Parce que pour l'enlèvement, il faut être préparé. Puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc ça peut être demain. Hein. Donc il faut quand même un petit peu être clean et être en Christ. Voilà. Je vous fais une bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.